Conjugaison. L'imparfait des verbes du premier groupe. Les verbes français sont classés en trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. Les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par « et ». E-R, « et ». Exemple. Verbe du premier groupe. Attraper, admirer, bouger, mélanger, parler. Il se termine par « et ». E-R, et. Attention, il y a une exception. Le verbe « aller » est un verbe du troisième groupe. Imparfait des verbes du premier groupe. L'imparfait est un temps du passé. Le passé, c'est « hier », « avant », « autrefois ». Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Comme le verbe chanter par exemple. Chanter à l'imparfait de l'indicatif. Première personne du singulier, je chantais. Deuxième personne du singulier, tu chantais. Troisième personne du singulier, il, elle ou on chantait. Première personne du pluriel, nous chantions. Deuxième personne du pluriel, vous chantiez. Troisième personne du pluriel, il ou elle chantait. La partie du verbe qui change en fonction de la personne est la terminaison du verbe. La partie du verbe qui ne change pas est le radical. Avec le verbe « crier », qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on positionne le radical du verbe « crier » devant la terminaison et on obtient le verbe « crier » à l'imparfait de l'indicatif. Voyons ensemble les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. « Je criais » « AIS ».« Tu criais » « AIS ». « Il »« Elle » où on criait AIT. Nous crions IONS. Vous criez IEZ. Il ou elle criait AIENT. Exercice numéro 1. Les verbes suivants sont-ils du premier groupe? Verbes à l'infinitif. Croquer, voir, habiller. Choisir, aller, entrer, peindre. Croquer, est-il un verbe du premier groupe? Oui, c'est un verbe du premier groupe. Voir, est-il un verbe du premier groupe? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Habiller, est-il un verbe du premier groupe? Oui. C'est un verbe du premier groupe. Choisir. Est-il un verbe du premier groupe? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Aller. Est-il un verbe du premier groupe? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. C'est l'unique exception. Entrer. Est-il un verbe du premier groupe? Oui, c'est un verbe du premier groupe. Et peindre, est-il un verbe du premier groupe? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Les verbes croquer, habiller et entrer sont du premier groupe. Exercice numéro 2. Conjuguer à l'imparfait de l'indicatif le verbe à l'infinitif. Verbe à conjuguer. Autrefois, nous mangeions des bonbons.
Il y a longtemps, tu mesurais un mètre. L'année passée, je dessinais beaucoup. Avant, vous dansez pendant des heures. Petit, il se cachait dans le jardin. À l'époque, il chantait tout le temps. L'été passé, elle jouait dans le sable. Première personne du singulier. Autrefois, nous mangions des bonbons. Deuxième personne du singulier. Il y a longtemps, tu mesurais un mètre. Première personne du singulier. L'année passée, je dessinais beaucoup. Deuxième personne du pluriel. Avant, vous dansiez pendant des heures. Troisième personne du pluriel. Petit, il se cachait dans le jardin. Troisième personne du singulier. À l'époque, il chantait tout le temps. Troisième personne du pluriel. L'été passé, elle jouait dans le sable. À bientôt! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu.